Welcome, welcome, bonne année à tout le monde. Reçois pour favor. Aujourd'hui, je suis content que des gens se lèvent et qu'ils m'écrivent des messages pour me dire pour favor, vraiment, merci, tu m'as aidé au travers de cette année 2019 et au travers des années antérieures. Grâce à toi, j'ai pu réaliser ceci, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. Vraiment, je suis content de tous ceux qui appliquent tous mes différents conseils. Parce que celui qui applique, ça ment pas. Donc, quand tu appliques des stratégies et techniques que je partage autour de mes vidéos tutoriels, que ce soit dans les vidéos sur beatmaking, que ce soit dans les vidéos sur stratégie de vente, quand tu appliques ces stratégies, tu as des résultats. C'est pas des trucs que j'invente, c'est des trucs que moi aussi j'applique et tout le monde voit les résultats que je réussis à obtenir. Il y a des personnes qui me disent que je suis un influenceur. Pourtant, je suis juste quelqu'un qui crée des vidéos. Au début, j'ai fait beaucoup de vidéos tutoriels et après, j'ai lancé des vidéos sur web marketing et stratégie de vente. Et aujourd'hui, voilà ça qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc vraiment, c'est tout ce que j'ai à partager comme conseil. En ce début d'année 2020, il faut que chacun d'entre nous se fixe des objectifs pour pouvoir atteindre d'ici la fin d'année de meilleurs résultats. Et le meilleur conseil que je suis en train de partager aux personnes qui me suivent, aux personnes qui suivent mes formations accélérées, c'est de découper ces différents objectifs en processus. Donc chaque jour que tu dois te réveiller, tu dois te dire, ok, aujourd'hui j'ai telle chose à mettre en place, demain j'ai telle autre chose à mettre en place. C'est ces différentes actions que tu vas mettre en place, que tu vas constater par la fin que tu vas obtenir les meilleurs résultats. Et ça ne sera pas surprenant pour toi. Donc c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'un beatmaker peut faire aujourd'hui pour monétiser sa chaîne YouTube? Plusieurs personnes me posent cette question-là. Monétiser sa chaîne YouTube, moi je vous ai dit depuis le départ, je ne monétise pas avec la monétisation classique sur qui est basée sur des vues, que des gens sont en train de poster des vidéos pour insulter des personnes, pour pouvoir attirer des gens à cliquer pour avoir 10 000 vues, 100 000 vues. J'avais fait un calcul, je sais pas si des gens ont eu à recevoir ce calcul. J'avais fait un calcul où j'avais dit, suppose que 1000 vues te donnent 1 dollar, ok? Ce qui n'est même pas vrai, parce que 1000 vues, ça fait pas 1 dollar au centime. Donc, ce qui veut dire que si tu veux avoir 20 dollars, tu dois faire combien de vues? 10 000 vues, ça fait 10 dollars. 20 dollars, il faut te faire 20 000 vues. Moi, je t'ai toujours dit que je prends tes 20 000 vues que tu réussis à faire. Et de tes 20 000 vues que tu fais pour avoir 20 dollars, moi je prends tes 20 000 vues, je te fais pratiquement 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Tout simplement parce que pas derrière, j'essaye de proposer du contenu à des personnes, des stratégies et des techniques qui vont les aider de façon quotidienne dans leur vie. Et automatiquement, des personnes vont sentir dans l'obligation d'acheter parce que c'est la solution. Donc c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ça, c'est la meilleure façon de monétiser sa chaîne YouTube si tu es beatmaker. Même pas seulement en tant que beatmaker, si tu fais plein d'autres choses, c'est la meilleure idée pour monétiser ta chaîne YouTube. Voilà, donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui, si tu es beatmaker, tu as trois choses à mettre en place aujourd'hui. Première des choses, c'est un site web. Deuxième des choses, c'est de créer des tunnels de vente. Troisième des choses, c'est de créer ton produit pour attirer des personnes et les vendre, ces différents produits que tu vas créer. Donc, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est optimisation, création, de stratégie de vente pour vendre tes différentes instrumentales ou pour vendre tes produits numériques, tes packs de sample, plein d'autres choses autour de ton beatmaking, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour télécharger une série de 3 vidéos qui vont t'apprendre comment faire pour attirer une audience et vendre tes produits partant de rien du tout en tant que beatmaker, en tant que graphiste, en tant que plein de choses. Donc si c'était pour le favor, ciao. Colon. Beach.